Ah oui, là, je lui ai mis une grosse tartade dans sa gueule et puis bah il a dégagé. Tiens, va me refaire un café, celui-là est froid et dégueulasse. Et qui voilà? Regardez-moi ça. Ça fait longtemps que t'attends avec tes couilles posées sur le canapé? Hein, Jean-Michel de moi-même, excessif d'un soir. Bonsoir, on est là pour vous parler d'une seule chose, hein, les petits poteaux, de la Game for One, une structure qui te fera passer des semaines, que dis-je, des week-ends aussi endiablés, hein, d'une part avec des tournois, hein, du R6, du Overwatch de qualité, du Rocket League, du Forza, du Halo, mesdames et messieurs. Que du lourd, hein, de temps en temps présenté par Jean-Michel Excessif, mais on a du staff, les gars. Comment ça, tu veux voir des preuves? Tu veux du croustillant? C'est ça que tu veux? Tu veux voir de la bagarre? Très bien, accroche ton calebar, mon petit poulet, c'est y part. Toujours sur le toit pour moi, tout seul, face à la team complète de la team RC Astro. Oh là là, double kill de la part de Foulichard, peut-être le dernier. Reste plus que 3 éliminés, plus que 15 secondes. C'est plus ça que balle. Mais c'est terminé, flingue carrément. Hein, mais il a eu la plus grosse sur cette map, c'est Jean-Bas, fais-moi voir, voilà! Allez, une minace dans ta tête, ah, deuxième minace, ah non, c'est pas la minace, ça. Allez, un dernier pour faire plaisir à Jean-Mi, voilà, la tour est sœur, one minace, fais voir ta roue photo, contre papa, voilà! Il a annoncé en début, hein, qu'il allait avoir un petit OTG, et bien voilà, et je l'avais, oh, la charge, oh, la counter charge, et le marteau, oh, le marteau! Il a réussi à faire les magnifiques passes, et ça a mis tellement en danger cette équipe d'Arkush qui a bien subi, et j'ai l'impression, ah oui, ouais, un client, messieurs, encore des gardiens, c'est bien d'arrêter ballon, mais c'est mieux d'arrêter ballon en zone. Safe. Voilà, toujours essayer de vous mettre un peu sur le côté. Bien effectué.
Ouais, ah, bien joué. On l'a bien joué côté GG, côté le match. On l'a vu, hein. On l'a vu cette passe, on l'a vu ce redirect, on le voit directement en live, on le voit. Magnifique passe. Magnifique redirect. Voilà. Alors, convaincu, mon petit poulet? Hein? Ça donne envie? Je sais que ça donne envie. Alors, bouge ton gros cul, mon petit poteau. Hein, va t'inscrire direct, que ça soit sur Discord, ou encore sur Xbox, ou encore sur PlayStation, ou même PC. Hein, tu n'as que quelques secondes. Oui, trop tard! Trop tard, il fallait chercher ta team. Hein, t'inquiète pas, les inscriptions sont encore ouvertes. On va te donner toutes les infos, mon petit poulet. En tout cas, j'ai hâte de te voir sur les tournois. Hein? Allez, le café, putain! Ouais, mais j'y arrive pas non plus. Si je suis là. Oui. Oui, bien sûr, faites. Comment je fais ça? Oui. Et c'est qui sa photo? Ok. Parfait. Et bonjour à tous, voilà, désolé, on est encore en petite préparation là, avec les deux teams Fearless Clan versus Vive les Vegans. Donc voilà, vous m'entendez un petit peu dans les backstage, désolé. On va pas tarder à lancer le match. Restez avec nous les amis pour suivre ça. Lancez les amis. Après du coup je vais vous demander si vous voulez bien sortir du groupe histoire que je puisse me concentrer à fond sur le cast. Et voilà, ça y est, c'est parti les amis, on lance du coup le premier match de l'année Rocket League. Vive les Vegans versus Fearless Clan. Et du coup, du côté de la team Fearless Clan, nous avons Skillu et BlinkRL. Ok, très bien, et du côté de la team Vive les Vegans, on a Lucas et Zayrox. C'est parti les amis. Allez, Lucas pour le moment qui conserve la balle. Zayrox, côté droit. En port middle, port boost. Allez, on a Blink, toujours vu sur Blink. Zayrox qui tente le petit centre. Ouh, c'est bien joué, Lucas qui vient marquer derrière. Joli centre de la part de Zayrox sur Lucas qu'on peut voir ici. Et ça rentre. 1 à 0 pour ce premier match. Premier point accordé pour le moment du côté de la team. Vive les Vegans. Du coup, il va falloir que je mette ça de côté. C'est pas grave. Hop, on est bon pas. Ah non, on est bon, j'ai rien dit. Ok, du côté, voilà, pour le moment on a Blink. On a vu sur Blink.
Keylio qui récupère le ballon. Certains petit centre. Ouh, ça a été dégagé in extremis par Xyrox. On y va. Hop. On part sur le côté. Lucas qui retente dans la centrée. C'est récupéré par Xyrox. On joue pas mal en aérienne là, c'est pas mal. Beau jeu du côté des deux teams. Allez, Xyrox. Lucas. C'est renvoyé. Jolie défense de la part de Xyrox. Allez, on est dessus. On joue énormément en aérienne hein, pour cette division champion. Allez, Skill, on a la vue pour le moment sur Skill. Oh, peut-être ici un but. Oh, joli lob de la part de Xyrox plus de Sky. 2 à 0, les amis. Pour le moment, pour cette première manche. Et ouais, du coup, j'ai pas le bon truc, c'est pas le bon côté. Bon, vous changez ça de suite, les amis. Pour le moment, on a la vue sur Xyrox. Skill you. Blink, Skillio. On a la vue sur Fuse. Et c'est dégagé. On part côté adverse. Peut-être un petit retour de la Fearless Clan. Ouais, pour le moment, c'est dégagé. Lucas. Et c'est défendu. Allez, c'est Xyrox qui récupère. Faut de conserver la balle pour Lucas. Boum. Oh là là, ça se contre-choque. Xyrox. Blink. Actuellement, allez, Skill you. Et Lucas qui rentrera dans Blink. Allez, Skill you qui va peut-être tenter de marquer ici. C'est récupéré par Xyrox. Lucas, allez, il reste plus qu'une minute pour le moment. On a du coup beaucoup de conservation du côté de la team Vive les Vegan comparé à la Fearless Clan. Ouh, c'était bien tenté ça. Allez, Lucas qui récupère. Voilà, ça y est, je peux enfin bouger. Ça, c'est parfait. Et troisième but du côté de Vive les Vegan. Allez, c'est parti du coup, on engage 3 à 0 actuellement pour Vive les Vegan face à la Fearless Clan. Je suis concentré en même temps pour changer les overlays, enfin les logos de place et tout. Ouh, joli but de Blink qui vient marquer un point, le premier point pour sa team Fearless Clan, les amis. Il n'y a pas le nom de Vive les Vegan. Oui, je sais. C'est parce qu'ils ont changé de côté. Donc, du coup, c'est un petit peu embêtant pour moi de faire ça en plein live.
Allez, pour le moment, Blink. Skillu, peut-être ici un deuxième but. Non, c'est rattrapé. C'est Irox. Et première manche remportée du coup par Vive les Vegans, les amis. Alors, est-ce que je vais pouvoir changer ça de suite en attendant que nos amis se mettent prêts? On part sur cette deuxième manche. Allez, on est parti sur cet engagement et Drex du coup qui fait son apparition à la place de Xyrox. Skillu, très très bien joué à 15 secondes de cette deuxième manche, mais le but pour la Fearless Clan. Et voilà, là nous y sommes, on est tout bon dans les overlays, allez. Pour le moment 1 à 0 du coup sur cette deuxième manche pour la team Fearless Clan. Et on voit Skillu qui part avec Blink. Conservation de balle. Part sur le côté gauche. Allez. Oh sérieux, c'est défendu par Skillu. Et Lucas qui rentrera directement dans Skillu. Corazon, c'est récupéré par Skillu. Lucas. Corazon. Oh! Joli, attention à la transversale. C'est pas passé loin. Allez, Blink. Peut-être un deuxième but ici du côté de la Fearless Clan. C'est récupéré par Lucas. Sur l'aile gauche. On balance l'aile droite. C'est récupéré par Blink. Et défendu par Lucas. Corazon. Ouh, attention, poteau droit. On attaque sévère hein, du côté de la team Fearless Clan. On conserve un peu plus la balle sur cette deuxième manche que la première. Allez, Corazon. Pas le bon logo de la Fearless. Bah c'est ceux qui m'ont envoyé hein, le logo de la Fearless. Hein. J'ai ça moi comme logo. Bah c'est pas grave. Le point a pas été tribué. Attends, je vais le mettre. Ok c'est bon. Allez du coup voilà. Skillu. Et deuxième but de la part de la Fearless Clan. Il revient en forme hein, sur cette deuxième manche. Et on y va. Allez, en engagement. Petite esquive de la part de Skillu. Ou peut-être. Ah, dommage, la transversale. De peu. Allez, Lucas. De marquer ici. Bah ça rentre tout seul. Et Blink hein, qui a essayé du coup malgré tout de défendre cette balle, mais c'est rentré. Ah, là, là. C'est en BO5. Bah c'est pas grave, ça marche des coups. Mais je sais pas, moi j'ai pris ceux qui m'avaient envoyé. Tu me fais une dédicace pour ma chaîne Twitch. Oui bien sûr, mais écoute, mets directement le lien de ta chaîne Twitch sur le chat, il n'y a pas de problème.
2-2 les amis. Corazon qui vient de marquer le deuxième but pour vivre les vegans. Et ça rentre tout seul. Allez, on passe sur l'engagement à 2 minutes de temps de jeu. Skill. Skill you! GG poteau. 3-2 les amis pour la Fearless Clan face à Vive les Vegans sur cette deuxième manche. Et ça rentre tout seul. Allez, Corazon. Lucas. Oh là 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 là! C'était magnifique. Ah que c'était magnifique. En aérienne, bam bam bam. Et ça rentre. Ah là là, quel dommage, la défense n'a pas pu aller sur le ballon du côté de la Fearless Clan. Allez, c'est reparti, on réengage, 1 minute 40. Corazon. Blink, c'est récupéré par Lucas. On voit côté adverse, c'est récupéré par Skillou. Skillou qui va tenter quelque chose, c'est récupéré par Corazon pour le moment. Et on rentre côté Fearless. Allez, Blink qui renvoie côté Vive les Vegans. Lucas. Lucas. Ouf. C'est pas passé moi. Allez, Corazon. Ici peut-être. C'est défendu par Skillou. Oh là là. Magnifique défense de la part de Skillou. Ici qu'on peut voir. Allez, Blink. On y croit. C'est un match super serré qu'on peut voir ici, Skillou. Et c'est défendu par Lucas. Blink. Attention à Corazon qui a l'air de partir avec la balle. C'est récupéré par Blink. Skillou. Plus que 30 secondes. Lucas. Skillou. Allez, Lucas. Corazon. Allez, plus que 5 secondes. Ça va certainement se terminer en aérienne ici, peut-être. Conserve la balle du côté de Blink. Et c'est posé. On part en prolongation. Skillou, Blink. On va chercher les turbos hein, du côté de Skillou. Attention à Corazon qui se lance. Et c'est défendu par Blink. Lucas qui la récupère. Skillou côté aile gauche. Allez, Corazon qui vient défendre. Oh, ça c'est bien joué. Attention à Corazon. Skillou qui est là pour défendre. Et il défend bien. Allez, Blink qui part à l'attaque. C'est récupéré par Corazon. Skillou. Skillou qui conserve le bal, c'est récupéré par Corazon. Et c'est repoussé par Blink. Oh, peut-être un but, peut-être un but. Ah, quel dommage, c'est passé au-dessus de la transversale pour Skillou. Attention à Corazon contre lui qui va marquer. Très très bien joué. 2-0 les amis pour Vive les Vegans. Sur cette deuxième manche. Et nous allons partir du coup pour la troisième manche, les amis. Allez, voilà, on a du coup deux buts hein, du côté de Lucas, deux buts du côté de Corazon, trois buts pour Skillou, 5 carrés, GG Skillou, et 6 tirs.
Allez, on leur souhaite bonne chance hein, du coup à la team Fearless Clan pour revenir au score. Ça reste très très serré quand même. Allez, Blink qui fait son apparition. Voilà, on attend du coup certainement Fuse qui fait son entrée. Ou est-ce qu'on a laissé Corazon sur le terrain? Et on a laissé Corazon. Ok, parfait. Allez, Lucas. Skillu, Corazon. Oh, attention ici, peut-être. Peut-être un but de Skillu. Et c'est le but de Skillu. Bien joué. Alors, on voit ici l'action. Le petit boost qui fait la différence. Et c'est Tipa. Ah, la petite esquive de Skillu. Lucas. Blink. Attention à Blink. Ok, on repart du côté de la Fearless Clan. Attention à Lucas. Et premier but du coup de Lucas sur cette troisième manche. Ah, partout les amis. Et bonjour à toi cher ami Yokusto. Du coup nous sommes sur la troisième manche pour le moment. Et ça rentre tout seul. Et c'est Tipa. Donc du coup les amis, voilà, il va y avoir un léger décalage de 10 minutes. Essayez vraiment du coup d'être là voilà, pour votre match par exemple pour 14h30, d'être là comme vient de faire Yo Custo. D'arriver 5 minutes avant. Comme ça on lance aussitôt les matchs. Il va falloir vraiment, je compte sur vous les participants hein, pour vraiment voilà, venir très très rapidement dans mon groupe et qu'on enchaîne les matchs. Car à 4h j'ai un match sur Overwatch et je ne voudrais pas être en retard. Et normalement il ne devrait pas y en avoir. Allez, on part sur la vue de Blink actuellement. Lucas, Blink qui récupère. Lucas qui la passe à Corazon. On est sur l'aile droite. Oh, joli petit dribble. C'est récupéré par Skillu. Lucas, pour l'instant l'avantage toujours du côté de la de Vive les Vegans. Allez, rien n'est joué comme vous le dites dans le chat les amis. Attention Lucas. Skillu. Corazon. Allez, Blink. C'est récupéré par Lucas. Skillu. Lucas qui tente certainement un centre pour Corazon. Attention à Lucas. Oh, peut-être Blink ici qui part contre la troupe. La contre-attaque de Blink peut-être. Oh, Corazon l'avait senti. Il l'a récupéré avec son train arrière. Peut-être un but de Corazon ici, si c'est pas récupéré, si c'est récupéré par Skillu. Ça c'est bien joué. Lucas qui revient, récupère la balle. Un petit lob. Et Blink la récupère. Skillu. Corazon, Skillu. Blink. Allez, on a Blink. Skillu.
Parfait, voilà, j'ai déjà les deux teams qui sont quasiment prêtes pour le match suivant. Ça s'est bien joué, les gars. Par contre, je vous le dis, et ce n'est pas de ma faute cette fois-ci, nous avons un léger retard de entre 7 et 10 minutes. Voilà. Donc, du coup, votre match devrait se terminer vers les 15h10. Je vous préviens. Merci, les potos. Mais c'est pas de ma faute. Je le précise aussi. J'étais pile à l'heure. C'est juste le lancement du match qui a été retardé un petit peu du côté des participants. Et le but de Skyou qui revient au score 2 à 2, les amis. Allez, magnifique but de Skyou ici. Pour le moment, 2 à 2 sur cette troisième manche. Allez, l'engagement qui a été fait, il ne reste plus qu'une minute du coup. Skyou qui conserve la balle pour le moment. Petite passe à Blink. Corazon. Attention Lucas. Corazon. Et merci à toi. Et Blink qui revient au score, les amis. 3 à 2 sur cette troisième manche pour le moment. 44 secondes il reste. Est-ce que Vive les Vegas va pouvoir revenir au score pour tenter une prolongation, peut-être marquer deux buts pour gagner cette manche, ou l'inverse, tout simplement la Fearless Clan qui va conserver ce score et donc du coup marquer leur premier point sur ce match. Je donnerai les infos juste après, les amis, quand la manche est terminée, pour celui qui pose des questions que j'entends dans la petite régie, on va dire ça comme ça. Allez. Non, t'inquiète. Allez, du coup, Lucas, Skyou. Et c'est défendu par Corazon. Allez, Lucas qui rentre. Attention, Lucas. Attention, la transversale. Ça a l'air d'être tout bon pour la Fearless Clan. Failli voir le quatrième but, les amis. 2 à 1. La Fearless Clan qui est revenue au score. GG à eux. Allez, on enchaîne, s'il vous plaît. Ceux qui m'entendent. Tac. Voilà, on enchaîne. Très bien. Parfait. Allez, Lucas. Allez, Blink. Il y a du monde qui attend derrière. Et c'est parfait. Voilà, on repart directement sur cette quatrième manche. Allez les gars. Allez, qui c'est qu'on attend? On attend Corazon et Blink. Et on est tout bon, ça y est, tout le monde est là. Moi je vais tomber ma manette. Allez, du coup c'est pas grave. Skyou. Corazon qui conserve la balle, peut-être un but ici. C'est défendu par Blink dans les cages, ça c'est bien joué. Allez, Skyou. Oh putain. Attention, c'est une petite erreur de la part de Lucas qui a tenté de renvoyer la balle à Corazon en retrait, mais Skyou était là. Attention à Lucas qui arrive près des cages de la Fearless Clan. Allez, Pink récupère le ballon. Lucas qui a tenté de passer la balle à Corazon. C'est Skyou qui va partir directement. Ouh, ça a été défendu par les deux gars de la Vive les Vegas. Et Blink qui met le but derrière, ça c'est bien joué. Ça revient au score hein, du côté de la Fearless Clan. Rien n'est joué pour Vive les Vegas, mais rien n'est perdu hein, finalement pour la Fearless Clan. Allez, c'est parti, on part sur ce deuxième engagement. Il reste 9 minutes en tout. Parce que là il leur reste. Ils font cette manche là et après ils ont là. Oh, Blink qui marque le deuxième but. Donc pour ceux qui veulent aller fumer de cigarette, allez-y. Ça roule. Fais attention, il y a quand même un petit décalage de 30 secondes hein, yo-yo. Ok. Allez, c'est part. Pour l'instant on est sur la troisième manche. Quatrième, pardon. Games for One 2021. Là il reste 4 minutes, après ils ont la dernière manche de 5 minutes. Allez, je vous ai dit, ouais, il y a du décalage, c'est normal. Pour le moment, la Fearless Clan qui met sur cette manche 2 à 0.
Allez, Lucas qui va tenter de revenir au score. Ça passe au-dessus de la transversale. Corazon qui était là. Ça passe sur le côté droit. Allez, Lucas. Skiyu. Allez, pour l'instant, Blink. Récupéré par Corazon. Blink. Oh, peut-être un. Oh, c'est passé poteau droit. Lucas. Allez, désolé, j'ai fait une petite pause vite fait là pour boire un coup. Allez, Lucas. Attention à Skiyu. Attention à Blink. Peut-être troisième but de Blink. Non, poteau droit, malheureusement. Allez, Skiyu. Lucas qui renvoie côté. Fearless. C'est défendu par Blink. Allez, Skiyu. Blink. Corazon. Et votre tour arrive bientôt les amis. On est à 2 minutes 15 pour cette manche. Après il reste la dernière manche de 5 minutes. Et ça sera votre tour. Allez, Lucas. Allez, Lucas qui viendra mettre le premier but ici sur cette manche pour Vive les Vegan. 2-1 actuellement pour la Fearless Clan. Sur cette manche. Allez, on a Skiyu, Corazon. Allez, Lucas qui conserve la balle, c'est repoussé par Blink. Skiyu qui la récupère, peut-être une passe ici à Blink, c'est récupéré par Corazon. Blink qui la récupère derrière. C'est renvoyé par Lucas. Blink, Corazon qui la renvoie. Allez, Blink qui la repousse côté. Vive les vegans. Oh, ça c'est bien joué. Ça rentrait déjà de base. Malheureusement, il me semble que c'est Lucas qui a voulu récupérer cette balle. Et voilà, c'est ça. Et finalement, il va marquer le but pour Blink. Allez, 3-1 pour la Fearless Clan. Peut-être elle va revenir au score. Le match n'est pas terminé, les amis. On va peut-être avoir 2-2 pour cette quatrième manche. C'est un match ultra serré qu'on voit là, les amis. Ça fait plaisir. Allez, Lucas. Il reste plus qu'une minute sur cette manche, les amis. Pour le moment, ça a l'air tout bon pour la Fearless. On leur souhaite. Allez, Skiyu. Comme on souhaite aussi à Vive les Vegans, bien évidemment. De revenir au score sur cette manche. Je rappelle à nos spectateurs du coup que les matchs se font en 5 manches et les 5 manches doivent se jouer car chaque manche gagnée vous rapporte un point tout simplement. Et bien sûr la victoire vous rapporte un point de plus, ce qui me paraît logique. Ouh là 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 là. Oh, c'est pas passé loin. Quel contrôle du côté de la Fearless Clan pour avoir récupéré ce ballon. Allez, on a Blink qui rentre dans Lucas carrément, ça dégage et ça rentre tranquillement pour ce qui nous 4-1 les amis. C'est tout bon pour cette manche, je pense, clairement remportée par la Fearless Clan. Du coup, Yo-Yo Custo, si tu peux déjà commencer à créer la partie, ça serait super top. Si t'es avec nous, oh Blink. C'est quoi? C'est la... Non, GG du coup. GG Wellplayed et à 15h vous jouez contre la... Peut-être la Solitim si elle est dispo. J'attends encore sa réponse entre temps.
Ils sont là dans le groupe là, c'est Ilovoir et Non mais t'inquiète, tranquille. C'est GG Well Played, c'est la team à l'Atlas. Vas-y, mais dès que vous avez fini votre game, enfin dès que vous pouvez les gars. Voilà, si vous pouvez là le faire dans les 2 minutes, puisque là on enchaîne du coup la 5ème manche 2-2 les amis pour la Fearless Conquer, réussir venir au score. Qui va remporter ce match les amis? Qui? La Fearless Clan, vive les vegans. On va le savoir de suite les amis d'ici 5 minutes. Et on enchaînera directement le match suivant, qui est du coup la Bolossi Sport versus GG Well Played. Allez, c'est parti. Bah parfait, voilà, du coup les participants sont en train de créer la partie, ça c'est cool, comme ça on va enchaîner direct. Mais qu'est-ce qui se passe les amis pour la Fearless Clan? Truc de fou. Ils sont chauds les amis, ils sont chauds. Allez, c'est parti, on a du coup l'engagement qui a été fait, on peut être ici un deuxième but. Non, Corazon était là. Et on a Xerox hein, qui a fait son entrée à la place de Lucas, je l'avais pas vu. Mais quelle remontada de la Fearless Clan les amis, sont vives les vegans. Ils prennent leur revanche de la semaine dernière, sachez. Ah oui, non, pas de la semaine dernière, pardon, mais de leur match précédent. Parce qu'effectivement le match de la semaine dernière malheureusement était annulé suite à quelques petits retards. On avait pris énormément de retard, donc voilà, on n'a pas pu faire le match. Donc là, ils le font maintenant. Et quelle remontada du côté de la Fearless Clan qui prennent leur revanche sur le match précédent. C'était Vive les Vegans qui avait remporté leur match. Match de poule, je précise. Maintenant, nous sommes bien sur des matchs officiels. Et donc, du coup, les points comptent. Et là, la Fearless Clan, ils veulent absolument marquer, prendre le point de la victoire, et ils ont raison. Allez, Corazon, Blink qui a récupéré le ballon, il part avec. Belle conservation de la balle, peut-être. Ouh, Corazon qui l'avait vu. On va le pique sur Skidlou. Et Skidlou qui était là, qui récupère le ball. Attention à vous, vous allez pouvoir vous préparer les deux teams là suivantes. Dans 3 minutes 45 secondes, le match se termine. Dans 3 minutes, c'est à vous. Et Blin qui marque le 3ème but. Bon, bon, bon. Allez, l'engagement est parti. La petite esquive de Skiyu. Xerox. Corazon. Aïe! Il a été surpris, Blink, par Corazon. Oh, le petit lob! Ah, c'est dommage! Et joli but de la part de Corazon. Allez, 3-1-1 sur cette dernière manche, les amis. Plus que 3 minutes et 20 secondes. Va falloir. Voilà. Ouh, 4ème but, les amis. 3 buts de Skidlou sur cette manche. Un but de la part de Blink. Du côté Fearless Clan et du côté Vive les Vegans pour le moment. Un but. Et c'est Corazon qui l'a mis. 4-1-1, les amis, sur cette dernière manche. La Fearless Clan qui veut à tout prix marquer des points, ils ont raison. Mais qu'est-ce qui se passe les amis? Qu'est-ce qui se passe pour Vive les Vegans? Ils ont perdu le fil. Oh, GG la Fearless Clan, 5ème but. Ils nous font une remontada là, la Fearless Clan. C'est magnifique.
On ne s'y attendait pas. Il reste moins de 3 minutes, les amis. 2 minutes et 55 secondes avant que je vous rejoigne. Du coup. Il reste 2 minutes 50 parce qu'il faut enchaîner direct. Si ça t'embête pas, Yo-Yo, pour éviter de perdre du retard. Ouais, mais justement, je voudrais vraiment éviter de perdre un. Je voudrais récupérer le retard qu'on a perdu justement avec ce match. Je sais que je peux compter sur toi pour le moment. On a la vue sur The Sky. Corazon. Comment ? J'ai pas entendu. Ok, très bien, ça roule. Allez, The Sky. Pink. Alors, on voit côté adverse, plus que 2 minutes de temps de jeu sur cette dernière manche. Blint, tu la renvoies à Sky. Skillou, c'est bon, on blink. Ici, on a aérienne avec Skillou. Allez, Corazon. Allez, puis The Sky qui vient récupérer la balle. Il va falloir récupérer les 4 points. Ouh, c'est bien joué. Cyrus qui mettra le deuxième but pour vivre les vegans. Salut à toi, Sky. Nous sommes sur un match Rocket League. Et là, nous sommes du coup sur cette cinquième manche. Pour le moment, 5 à 2 du côté de Ski, de la team Fearless Clan, pardon. Sur cette dernière manche. Et juste après, on enchaîne avec le match de la team Bolos Esport versus GG Well Played. Ça c'est pas cool, Yo-Yo Custo, je vais te tuer. Allez, ce Sky. C'est vraiment pas cool de ta part. Allez, pour l'instant, on est en vue aérienne. Corazon. Blink. Comment ça, j'ai pas changé le score pour la Fearless? Ah, si, il a changé. On est bien à 2 là. Ah non, putain, là, c'est pas mis. Oh yeah. Pourquoi il apparaît? Ah voilà, ok, c'est bon. Allez, plus que 45 secondes, les amis. Le temps se resserre. Il reste 40 secondes, peut-être que la team Vive les Vegans va pouvoir revenir au score. C'est des champions. Ouais. C'est des champions, ceux qui sont en train de jouer actuellement. Voilà, la division champion sur ce match. Et tout de suite après, vous avez la division diamant. Comment ? Ouais, c'est ça, champion 2-3, oui. Voilà, là, ça y est, c'est joué, c'est fini, les amis. Et voilà, 3 à 2 pour la Fearless Clan, les amis, sur ce match. Comment ça, c'est moi? Allez, du coup, voilà, je vais pouvoir partir, ouais, de ce match, hop, et aller directement, les amis. Pour le deuxième match, du coup j'attends l'invite de Yo-Yo Custo. Non, Magic. Fais une invitation de groupe, t'inquiète. Invite-moi juste sur Magic. Ah, invitation, rejoindre, comment je fais? RT, ouais. Ah ouais. Pourquoi je vois pas ton invite en faisant RT là? C'est chelou.
Bah dans la cloche, ouais mais regarde, j'ai que les demandes d'amis. Ah c'est bon. Cimer les poteaux. Ah c'est bon, on a rejoint du coup le deuxième, la deuxième partie de manche du coup. Hop. Ouais ouais ouais, lance lance cash. S'il te plaît. Et je change de suite. Ah j'ai pas les logos et tout. Oh là là. Ok, la GG sera en bleu, ça marche. A toutes et bonne game à vous, n'oubliez pas ces 5 manches. Hein. Et allez jusqu'au bout. GG à vous les gars. Voilà. Bonne chance à vous, pardon. Je vous change les scores de suite les amis. Et merci Dekusama m'avoir filé un petit coup de main sur ce côté là. Alors voilà, hop, je vais retirer aussi les logos bien évidemment parce qu'ils sont plus les bons. Et Nerako vient mettre le premier but du coup sur cette première manche. Match GG World Player versus Bolo C-Sport, que je vous change ça de suite d'ailleurs. S'il veut bien le PC, allez le PC. Voilà, merci. Allez, pour moi, on a la vue sur Nerako. Si jamais la solide est pas là avec mon mate, on peut. Parfait, merci beaucoup pour cette info. Ouh, bien joué à toi, Milio. Franchement, merci pour cette info. Je te dis ça dans quelques instants. Je termine déjà de remettre à zéro les scores. Si mon PC veut bien le faire aussi. Allez petit père. Je vais fermer Discord. Voilà. 2e but hein, du côté de la team GG World Playad hein, pour Nerako. Ah, j'ai mon PC qui galère. Allez, pour l'instant, on a la vue sur Yu Custo. Anubis. Ça pousse du côté de Ilovoir. Allez, le custo pour le moment qui a la balle. Ilovoir. Et c'est stoppé par Nubis. Au petit lob de la part d'Ilovoir sur flanc gauche. Sur Ilovoir hein, qui est devant les cages de la team Bolo C-Sport. Anubis qui vient la récupérer. Yucusto s'est récupéré par Nerako. Anubis en aérienne. Ilovoir. Ouais je sais, je suis en train d'essayer de le changer, mais en fait là j'ai mon PC qui galère, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, il galère à changer ce putain de score.
il a l'air grave. Allez, du coup, deuxième, troisième engagement. Du coup, 2 à 1 actuellement sur ce match. Première manche. Team GG World Playout versus Polo C-Sport. Voilà, ça y est. Mon PC s'est réveillé. Je sais ce que je vais faire. Je vais lui remettre un petit coup de boost. On va faire ça. Ça va peut-être trop booster mon PC. J'espère. Allez, pour le moment, on a la vue sur Anubis. Yo-Yo Custo. Neraco. Toujours Neraco. Il est au voir qui était là. C'est récupéré par Anubis. Il reste plus qu'une minute, hein, du coup, à la team. Polo C-Sport. Pour tenter de marquer un deuxième but. C'est récupéré par Elowar. Attention. Peut-être ici un but. Oh, ça c'est bien joué. Anubis qui rentrera directement dans Elowar. On en dégage. Neraco qui était là. Qui vient défendre. Alors, est-ce que là ça va être tout bon? Eh ben voilà, ça y est. J'ai enfin récupéré la manip sur mon PC. Voilà, tout est bon maintenant. Allez, du coup, je vais pouvoir me concentrer sur le match. Pour le moment, 2 à 1 sur cette première manche de la team GG World Play versus Polo C-Sport. Attention à Anubis qui va essayer de tenter de marquer peut-être un but. C'est renvoyé, Yo-Yo Custo. Allez, plus que 10 secondes pour tenter de revenir au score et tenter une prolongation sur cette première manche. C'est récupéré par Anubis, peut-être Anubis, le petit dribble. Peut-être. Ah, quel dommage. 1 à 0, les amis. Pour la team GG World Player. Ah voilà, ça y est, ça fait plaisir. Mon PC refonctionne, les amis. Je lui ai mis une petite fessée et ça claque et ça tape. Allez. Bon, pour le coup, vous n'aurez pas les logos, ne m'en voulez pas. J'ai pas eu le temps. J'ai une très très grosse organisation aujourd'hui vu qu'il y a coup plusieurs matchs aujourd'hui. Vous avez là effectivement, vous avez eu la Fearless Clan versus vive les vegans. Là actuellement vous avez GG World Player versus Polo C-Sport. Et je vais répondre du coup à la question de Dekusama, à savoir si la solide sera là ou pas. Allez, pour le moment, on a le custo, le petit transversal. Oh, le transversal poteau droit. Quel dommage, c'est pas rentré. Et du coup, voilà, Meliodas, si tu m'entends, et bah écoute, tu vas pouvoir faire ton match amical tout de suite après celui-ci. Voilà, si jamais tu peux éventuellement voir avec la team Fearless Clan pour préparer la partie d'ici une petite dizaine de minutes, étant donné que là, nous sommes actuellement sur la deuxième manche. Et Neraco mettra le premier but justement sur cette seconde manche. Ah, du coup, Milio, si tu m'entends, si tu peux préparer le match suivant avec la Fearless Clan pour votre match amical, ça serait le top. Car malheureusement, la Solid Team finalement n'est pas dispo. Et allez, on revient sur le match. Du coup, 1 à 0 pour cette seconde manche. GG World Playout versus Polo C-Sport. Allez, on a. Pour le moment, on a la vue sur Anubis qui récupère. Qui passe à Yo-Yo Custo. Il va voir, attention, qui était devant les cages de la Polo C-Sport. C'est récupéré par Yo-Yo Custo. On conserve la balle. Ouh, il va voir qui vient. On va dribbler, mettre un petit lob sur Anubis. Et je vais envoyer un message à Dekusama. Allez, on part sur ce troisième engagement. Allez, on tente du coup à la team Polo C-Sport de revenir au score. Regarde ton live.
Alors en fait, la Bolos, je t'ai écrit un message, ouais, c'est pour ça que je te réponds. Du coup, Milio, bah, t'es là, parfait. La Bolos eSport, malheureusement, n'est pas dispo, celui Steven n'est pas là. Donc du coup, c'est pour ça que je te propose de faire votre match Pierre Lesclan versus excessif tout de suite après celui-ci. Pour 15h20. 15h15 même. 15h... Ouais, 15h15. Entre 15h15 et 15h20, si tu peux, Melio, et si tu peux du coup prévenir la team Fearless Clan de se présenter 15 minutes avant, et Yukito qui vient de mettre le premier but ici sur ce match. Très très bien joué de la part de Yukito. Ah purée, non, je confonds la Bolos eSport versus Ah quoi, tu veux, si tu veux, vas-y, si tu veux enchaîner avec la Bolos eSport derrière, pourquoi pas. Ouais, j'ai confondu avec la Swiss Steven. Ouais, mais ça marche, ça marche. Et après ce match, il y a le match amical. Match amical. Le match amical, faudra le faire en BO3 si ça t'embête pas. Pour éviter que j'ai du retard sur Overwatch. Et ça marque 3-3, on revient au score du côté de la team Bolos eSport. Parce que j'ai le match à 4h. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais envoyer un message au poignard. Bon, il faudra 3-3 sur cette seconde manche. Neraco. Ouais, ça marche, mais on fait comme ça. Allez, le custo pour le moment, Anubis, ouais, le petit lob sur Neraco, le custo sur l'aile gauche, peut-être le petit centre pour Anubis, et c'est récupéré par Ilowar. Ilowar qui passe la balle à Neraco, mais c'est récupéré par Anubis sur le côté droit. Ah, quel dommage, peut-être le custo, on voit côté aile gauche. Neraco qui récupère. Défendu par Anubis. Anubis qui tente de la passer. Ayo Custo, mais c'est récupéré par Neraco. Renvoyé côté adverse. Neraco. Et c'est défendu par Anubis. Allez, Anubis ici peut-être la passe à Ayo Custo. Il va voir qu'il défend. Il reste plus qu'une minute sur cette deuxième manche. Neraco. Anubis. Yo-Yo Custo. Allez, Anubis. Port en aérienne ici. Et c'est récupéré. Allez, peut-être Yo-Yo Custo. Voilà, Yo-Yo Custo qui récupère. Ici en plein fight contre Ilowar. Anubis derrière qui vient secourir son collègue. Neraco qui vient défendre. Peut-être une prolongation ici sur cette deuxième manche. Ou peut-être pas. Yo-Yo Custo qui a failli marquer. Ça a été récupéré par Ilowar. Attention, Ilowar qui contre-attaque. Anubis contre-attaque aussi peut-être. Ah, c'est défendu par Neraco. Oh non, on s'est pas passé loin. Ou c'est pas passé loin, les amis. Allez, on repart sur l'engagement. Anubis. Neraco. Allez, Neraco qui part à la contre-attaque. Oh, qui vient de driller directement. Le custo ici, le but. Et la passe sur Ilowar. Et ça marque, les amis. 2-0 pour la team GG World Player.
Ah voilà, mon PC qui fonctionne, ça, ça fait plaisir. Il fallait juste faire une petite actualisation sur la page internet. Ah, on va pouvoir lancer du coup la troisième manche si on m'entend. Histoire qu'on enchaîne rapidement. Et je remercie du coup les participants de jouer le jeu tel quel. Allez, on part en observation. En plus, on me fait ça proprement du côté du custo. J'apprécie. Petite admin de partie là. Propre. Allez, on part sur cette troisième manche du coup. 5 minutes de timing. Allez, Anubis qui rentre dans Hello War. Le custo qui part au front. Allez, c'est défendu par Hello War. On conserve la balle du côté. Oh, c'est récupéré par Anubis. Nerako. Yo-Yo Custo qui l'envoie sur Hello War. Allez, Hello War qui part en contre-attaque. Peut-être un centre pour... Non, c'est contré par Yo-Yo Custo. Attention, Yo-Yo Custo, peut-être ici... Voilà, un petit centre pour Anubis, peut-être. Wow, 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 wow. Ah, ça passe. Là, ça a pas été défendu du coup par Nerako. Attention, on a un angle. Je crois que Nerako fait clairement la diff sur ce match. Hein. On le voit partout. Allez, Anubis du coup. Le Custo. Et le voir. Et le voir qui récupère. Peut-être un centre sur son collègue. Ah oui, on voit le centre. On voit le centre. Le Custo, ça s'est bien défendu. Nerako qui est en retrait. Et l'on voit peut-être le petit lob, et non malheureusement. Naki. Naki peut-être, voilà, petite passe, et non, il s'est contré par Anubis. Anubis qui part. La contre-attaque, c'est contré par Ilovoir. Narako, Yokusto qui récupère finalement. Peut-être un centre ici pour Anubis. Et ça passe. Ça passe les amis. Magnifique. Magnifique centre de la part de Yokusto sur Anubis. Qui lobera directement Ilovoir. Et ça rentre. 1-0 pour la Bolos eSport pour le moment sur cette troisième manche. Et on part sur cet engagement à 3 minutes 20. Anubis, peut-être un deuxième but. Le deuxième but d'Anubis, les amis. Ça rentre tout doucement, mais sûrement. Ah là là, le petit dribble. Nerako était dessus, mais c'est passé malheureusement à côté. Alors on part sur cette troisième engagement. Anubis qui récupère du coup, qui prend l'engagement. Yo Custo, c'est contré par Elovar. Nerako. Et Nerako mettra le but sur cette troisième manche. Ah, ça a été repoussé sur lui. Quel dommage. Et on reprend. 2-1-1 pour le moment pour la Bolos eSport sur cette troisième manche. Mais je rappelle le score. 2-0 pour la team GG Well Played. Sur cette troisième manche. Allez, Elowar, bien joué, 2-2. Elowar qui viendra égaliser ici. Face à la Bolos. Allez, on part sur ce cinquième engagement. Le Custo pour le moment. Nerako. Ça fait peut-être un petit centre ici pour Yo-Yo Custo. Et c'était un magnifique centre, sans le vouloir, de la part de la team GG World Period. Pour la team Bolos eSport. Et c'est Yo-Yo Custo, voilà, qui vient se démarquer et qui marquera le but tranquillement. Allez, 3-2 hein, du coup sur cette sixième manche. Le voir.
Anubis, oh là là, qui viendra dribbler directement la remontada de la Bolossi Sport. Peut-être on va avoir le même résultat que tout à l'heure, le match précédent de la, des deux teams champions, hein, Fearless Clan versus Vive les Vegans. La Fearless Clan au départ avait un petit peu galéré et elle est revenue au score face à la team Vive les Vegans et elle a finalement remporté le match. Peut-être ici on va voir la même chose du côté de la Bolossi Sport, car pour l'instant ils prennent l'avantage 4 à 2 sur cette sixième manche. Alors on récupère la balle du côté de Ilovoir, Yo Custo qui repart en défense. Et un manque de contrôle de balle du côté d'Ilovoir, mais c'est pas grave, Narako il est là. Yo Custo qui récupère, peut-être un petit centre, non il s'est dégagé par Ilovoir pour le moment. On garde la balle hein, côté GG. Attention, Narako qui part à l'attaque, c'est repoussé par Yo-Yo Custo pour le moment. Narako qui vient contre-attaquer. Anubis, il va voir. Et c'est repoussé par Narako, Yo-Yo Custo. Narako en aérienne. Allez, Ilowar. Il reste plus qu'une minute hein, du coup sur cette sixième manche. Anubis. Le petit lob. Et c'est défendu par Ilowar. Yo Custo qui vient contre-attaquer. Peut-être ici un but de la part de Anubis. Et ça rentre les amis, 5 à 2 sur cette troisième manche hein, par rapport au match, mais sixième manche par rapport à cette manche là. On va y arriver, on s'est compris les amis. Et du coup Narako voilà qui part au fond contre Anubis. Allez, Anubis qui part en vue aérienne, Narako, plus que 30 secondes du coup pour la team GG Wallplayot de revenir au score, mais ça a l'air très compliqué pour eux. Je pense que cette manche va être remportée du coup par la team Bolossi Sport. Allez, on a Anubis ici, Anubis, ouh le poteau, dommage. Allez, c'est récupéré, peut-être centré pour Yo-Yo Custo, mais non, c'est Ilovoir qui la récupère. On essaie tente de conserver la balle, Yo-Yo Custo qui vient dribbler. Peut-être où ça passe côté gauche. Attention à Anubis. Ok, 2 à 1 actuellement pour la team GG World Playhead face à la Bolos. Et on va partir du coup sur cette quatrième manche les amis. Désolé, j'ai fait une petite pause de 2 minutes. Voilà, donc du coup, il y a un but pour le moment du côté de la team GG Wallplayed. Sur cette quatrième manche, du coup. Quatrième partie, on va dire plutôt ça comme ça. Ça m'évite de mélanger les manches. Allez, on a la vue sur Narako. Anubis ici qui part en petit lob sur Narako. Peut-être un but.
Ouh, ça c'est bien joué. C'est fait un petit centre pour lui-même. Anubis en lob. Et c'est rentré tranquillou. Allez, c'est parti. Un partout, hein, du coup, pour cette deuxième manche sur la quatrième partie. Et Yo-Yo Custo, 2-1. Quelle remontada du côté de la Bolossi Sport. Hein. Là, aujourd'hui, les amis, on assiste à des matchs assez équilibrés, je trouve. Hein. Le premier match, du coup, du côté des champions, a donné un résultat 3-2 pour la Fearless Clan. C'était pas forcément gagné pour eux dès le départ, comme là, actuellement, la Bolossi Sport, hein, qui s'est pris quand même deux parties d'avance et qui reviennent au score, hein, actuellement. Allez, Yo-Yo Custo. Neraco. Naraku en forme, alors on conserve la balle, Ilo, voir qui vient louber. Anubis, Yuk, hop, Naraku, Yuk, c'est toi qui vient contrer. C'est récupéré par Yo-Yo. Ilo voir. Anubis qui la renvoie côté GG. Allez, Yuk, c'est toi qui tente de conserver la balle, c'est récupéré par Anubis. Anubis qui part à la contre-attaque. Il vient louber Naraku. Le Custo. Il a loupé son centre. Allez, il la récupère. Un petit centre peut-être ici pour Anubis. Et non, Anubis était reparti en défense. Allez, le Custo ici peut-être un but. C'est défendu par Neraco. Ça, c'est bien joué. Oh, Anubis qui vient récupérer du coup. Tente une transversale. Peut-être Yo-Yo au petit lob. Et non, c'est toujours conservé du côté de Ilovoir. C'est défendu par Neraco. Peut-être un but de Neraco ici. Et non, c'est renvoyé par Yo-Yo Custo. Yo-Yo Custo qui part à la contre-attaque avec Anubis. Un petit lob. Et ça rentre. Ouh là 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 là. Magnifique lob de la part de Yo-Yo Custo. Yo Pegasus, ça va et toi poto? Merci d'être présent sur le live, ça fait plaisir de te voir, cher Pegasus. Là, tu peux assister à un match, du coup, une remontada de la Bolossi Sport. Ils se prenaient deux manches, hein, du côté de la GG World Play. Et là, pour le moment, la Bolossi Sport revient au score sur cette quatrième partie. Et qui mène 3-1. Alors, on revient sur le match et le petit but de la part de Ilovoir. Pour le moment, toujours 3-2 pour la team Bolossi Sport sur cette quatrième partie. Allez, reste 1050. La GG Wall Pied pour revenir au score. Et tenter de remporter ce match. Allez, c'est défendu par Yo-Yo Custo. Ici, on contre-attaque avec Anubis. Neraco tout seul au goal. Et c'est renvoyé à Anubis qui était là en retrait. Tenter un petit lob. Allez, Naraku qui part à la contre-attaque. Peut-être un centre ici pour Ilovar. Non, ça a été repoussé par Yo-Yo Custo. Et Steven malheureusement est absent. Donc du coup il ne pourra pas venir jouer cet après-midi, cher Pegasus. Il fera son match la semaine prochaine. Allez, Yo-Yo Custo. Anubis. Naraku, c'est repoussé. Naraku peut-être encore en contre-attaque ici. Peut-être un centre pour Ilovar. Il reste une minute de temps de jeu. Et ça passe au-dessus de la transversale. Yo-Yo Custo. Neraco qui la renvoie côté adverse. Sur Anubis qui s'est démarqué. Ouh, c'est passé côté droit. Sur Neraco qui vient contre-attaquer. C'est défendu par Anubis. Oh, peut-être la contre-attaque. La contre-attaque d'Anubis. Et c'est le but d'Anubis. 4-2 les amis.
Du coup, là, excessif. Attention, préparez-vous parce qu'il reste 30 secondes sur cette quatrième partie. Bien évidemment, on va passer à la cinquième partie. Mais voilà, si vous pouvez être prêt, ça serait le top pour éviter qu'on perde. Voilà, qu'on perde encore plus de retard qu'on en a eu au premier match. Même si nous avons qu'un léger retard, mais ça reste petit retard quand même. Si on peut le récupérer, ça serait top. Allez, UE Custo, Anubis. Du coup, pour aujourd'hui, on a un programme très très chargé sur la chaîne Game for One, les amis. Narako peut-être ici. Et voilà, Narako qui viendra mettre le troisième but. Peut-être, les amis, une égalisation dans les 9 secondes qui va rester pour la team GG World Player, ou peut-être la team Bolo Sport qui marquera un cinquième but, ou peut-être pas. Du coup, je disais donc aujourd'hui le programme. Juste après ce match, vous avez la Bolo Sport versus Excessif. Juste après, match amical, la Fearless Clan versus Excessif. Après ce match, donc on était toujours dans la partie Rocket, on passe dans un autre domaine. On passe dans le domaine Overwatch, les amis. Et on aura le tout premier match du tournoi Overwatch Community Championship à 16h15 à peu près, la B2G versus Midori Quake, à suivre les amis à 16h15 sur notre chaîne Game for One. Ce soir, match R6 FNX roster 1 versus les amis la Tryhard for Win. Je vous invite donc du coup à prendre un grand plaisir avec moi à rester sur cette chaîne tout au long de la journée, les amis. Allez, on attend du coup le départ, le prêt de Yo-Yo Custo. Merci Yo-Yo, parfait. Et on lance, du coup on part sur cette cinquième partie. Alors j'espère que du coup la Bolo Sport m'entende. Il faudra bien sûr rester sur la partie pour pouvoir inviter la Excessif. C'est quoi cette map là? C'est toi qui mets les maps, c'est pas moi, Yo-Yo Custo, change-moi ça, s'il te plaît, faut changer. Mais c'est toi le chef, non? C'est moi? Ah, me dis pas que c'est moi qui suis chef là. Ah là 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 là, les gars. Allez, hop, on reprend, Yo-Yo. Change-moi ça. Ah, dis-moi pas que c'est moi le chef. Non, c'est bon. Ah non, le chef c'est Ilovar, ok. On repart, c'est bon, c'est parti, on est reparti pour... C'est pas moi, c'est Ilovar. Ok, parfait. Du coup, tu m'as bien entendu, Yo-Yo Custo, il faut que tu restes après que tu prennes le relais, hein, du coup, chef de groupe, pour pouvoir faire la partie pour la team Excessif. Vous allez jouer tout de suite derrière contre la Excessif. Et je change le score, bien évidemment, la Bolo Sport qui est revenue au score 2-2 actuellement. Et on est tout bon, on part sur la vue de Narako. Avec un petit changement de terrain. Anubis, Yo-Yo Custo. Narako. Yo-Yo Custo qui marque le premier but sur cette dernière manche décisive du coup, puisqu'il y a 2-2 les amis sur ce match, comme le match précédent du coup de la Fearless Clan versus Vive les Vegan, où c'était aussi équilibré. Allez, Narako, Anubis, Custo et Ilovar, ça se fight. Narako, Anubis, Ilovar. Attention à Anubis ici en retrait. Narako qui vient dans la partie adverse. Ilovar, peut-être un petit centre sur Anubis, mais non, ça a été beaucoup décalé. C'est Yo-Yo qui récupère. Attention à Anubis qui était en aérienne ici. Ilovar qui part en contre-attaque. Et c'est récupéré par Yo-Yo Custo. J'ai l'impression qu'on cafouille un petit peu sur ce terrain-là comparé aux autres. Allez, Ilovar. Il
Et Custo, ça se joue pour le moment au milieu de terrain. On a du mal à aller dans les camps adverses pour le moment. Allez, il ouvre. Le Custo, Nerako. Anubis qui récupère. Maintenant, sur le tour de Nerako qui part du côté. Bolossisport. Il veut Custo peut-être un centre pour Anubis. Ça a été centré, mais ça a été contré du coup par Nerako. Et Ilovar qui part à la contre-attaque avec Nerako sur flanc gauche. Et Custo qui la renvoie, Anubis qui la renvoie, pardon, sur le flanc de la GG. On se fait un petit centre, et Custo qui récupère. On est toujours du côté de la GG pour le moment. Ah, et la GG qui a du mal à dégager cette balle côté Bolos. Ça y est, on est côté Bolos maintenant, il le voit. Un petit dribble, c'est Anubis qui la récupère des racos, qui récupère aussi derrière. Allez, Nerako qui conserve la balle pour le moment. Peut-être une passe. Allez le voir. Et non, repart côté GG. Nerako, Anubis, Custo et Anubis qui part au front. Peut-être un but de la part de Anubis. Et oui, c'est contré, c'est rentré. Par contre, on pourra pas faire le match amical et le match contre la Bolos. Est-ce que tu peux au moins faire le match contre la Bolos, Dekusama, ou pas du tout? Si c'est pas possible, il n'y a pas de problème. Allez, Yuyo Custo pour le moment qui conserve la balle. Effectivement, on peut faire plein de matchs de Rocket League, mais bon, ça reste assez compliqué. Parce que dès que tu as un petit décalage après, ça prend énormément de retard. Mais ça va, en tout cas on a moins de retard que la semaine dernière, on a juste un petit retard de 10-15 minutes. Bah non, mais je parle pour toi à niveau horaire. Alors moi je peux juste caler un match tout de suite derrière celui-ci, un seul en fait, que je peux streamer caster, puisque nous partons à 16h15 pour le match de la B2G versus Midori Quake. Ouais, on sera à l'heure, 16h15, B2G versus Midori Quake, on sera à l'heure. Et j'étais à l'heure, Pegasus. C'est pas de ma faute le retard là. Sache-le. Allez, pour l'instant, on a 2 à 1 du côté de la team Bolossisport. Ça a l'air tout bon pour eux pour remporter ce match. Bah, on fait l'amical. Je préfère faire l'amical du coup, donc la. Contre la Fearless Clan, des coups, c'est ça? Est-ce qu'il m'arrangerait du coup pour. Des coups, on fait l'amical. Parfait, vous faites votre match amical. Est-ce que vous pouvez préparer la partie, les amis? Et si ça vous embête pas, on partira en BO3 pour votre amical. Et comme ça, c'est parfait pour moi. Du coup, Bolos, la team Bolos eSport, j'espère que vous m'avez entendu, Custo. Malheureusement, on n'aura pas le temps de faire votre match contre la excessive. Je leur fais juste leur match amical et je partirai pour le match Overwatch, les amis. Oh! Ah, magnifique! Sur l'engagement, les amis, Yo Custo, le petit lob sur Ilovoir et ça rentre tranquillement. Je crois que c'est clairement dit, clairement fait, les amis. La Bolos eSport est revenue au score sur ces trois dernières parties. Hein, puisque l'avantage au départ, c'était GG Wellplayed qui avait pris les deux premières parties avec quand même un assez gros décalage au niveau des points. Mais là, la Bolos eSport est revenue au score et je pense qu'à mon avis, ça a l'air d'être tout bon pour une Nerako qui revient. Attention, j'ai. Bah, c'est pas dit, ça se trouve ils peuvent revenir en score du côté de la team GG. On leur souhaite en tout cas pour le moment 4 à 2 hein, du côté de la Bolos eSport pour cette cinquième partie. Ouais, c'est ça. Si, je vous assure que c'est vrai, je suis. J'étais à l'heure, j'ai lancé mon live à 13h55. J'étais vraiment à l'heure. Voilà, allez, du coup Nerako, il reste 30 secondes hein, du coup. Pour la team GGOLP de revenir au score, peut-être ici, peut-être. C'est contré par Anubis, c'est défendu pardon par Anubis. Attention Yo Custo, va-t-il pouvoir repousser? C'est repoussé, Nerako qui revient, peut-être le poteau droit. C'est contré par Anubis. Il le voit, il va prendre la balle. C'est pris, peut-être un but. Non, c'est contré par Yo Custo. Je crois qu'à mon avis, ça va être terminé. C'est clairement dit, clairement fait.
Et c'est la team Bolo 6 Sport qui remporte ce match, les amis. 3-2 sur cette rencontre. Et nous allons pouvoir passer du coup au match amical, les amis. La team Excessif versus Fearless Clan. Et je remercie du coup les deux teams, GG Wellplayed et Bolo 6 Sport, GG à eux pour leur match. Et du coup, je vais pouvoir partir pour un autre match. Alors, Yo Anubis, du coup, voilà, vous deviez à la base faire un match contre la SSF. Seulement, on a perdu un petit peu de temps. Donc, du coup, votre match sera finalement décalé à la semaine prochaine. Si ça vous embête pas, ça m'arrangerait. Comme ça m'évite de perdre du retard sur le match Overwatch de 16h. Est-ce que ça vous va? Chef de la team RC Astro RC... Ah, j'attends ton invite Meliodas si possible. Et puis alors tu m'as dit RT ok, dans les notifs. Ah, GG les gars, magnifique. Ah, franchement, nickel, je t'ai invité 3 fois. Parfait, je suis à la... Du coup, Milio, tu vas pouvoir lancer. Merci à toi de m'avoir rejoint et qui est reparti malheureusement, mais il va revenir. C'est Meliodas, du coup. Parce que là, voilà, du coup, je pars sur le match Excessif versus Fearless Clan. J'attends juste de voir qui est à gauche, qui est à droite. Excessif Sport, ok, parfait. Non, vous avez plus de match pour aujourd'hui, vous en aurez prochainement, enfin pour la semaine prochaine, vous en aurez. Avec une meilleure programmation, il y aura Meliodas du coup qui viendra vous voir par rapport à ça, alias Dekusama, par rapport au Discord et tout, qui viendra vous voir, mais de toute façon je vais vous briefer, je vous mettrai en lien avec lui, ok? Nice les potos. Et merci Yoyokusto d'avoir assuré le coup, hein, de prendre direct derrière la game. Enfin, de m'avoir, voilà, tu m'as compris quoi, préparer la game et tout, quitter tous. GG en tout cas à vous d'avoir préparé ça rapidement. Excessif Sport versus Fearless. Ok, donc je précise les amis que du coup après ce live il va falloir bien évidemment que je le coupe et que je refasse un live du coup pour la partie Overwatch. C'est normal, c'est pour me permettre de faire mes montages vidéo, de récupérer les vidéos correctement et de faire les montages qu'il faut. Allez, on part en observation. Yo Dreaming. Alors, bien et toi? Alors, normalement on devait avoir un petit retard mais finalement on ne l'aura pas, on va être pile à l'heure. Voilà. Bah c'est pas grave, c'est pas grave, tant mieux, laisse 16h15, parfait, tu leur demandes par contre de venir à 16h10 dans la partie, comme ça moi ça me laisse un petit répit de 5-10 minutes au moins pour griller ma clope et préparer correctement le match d'Overwatch. Normalement il est prêt, moi je suis prêt au niveau des overlays, mais voilà. Et premier but ici les amis, pour la Fearless Clan. Je rappelle hein, que c'est un match amical qui va se jouer en BO3 les amis, donc le premier qui marque, enfin le premier qui a deux parties de gagner remporte ce match amical. Nous sommes à 2-0 actuellement pour la Fearless Clan. Bah ouais c'est pour ça, BO5 c'est plus intéressant finalement. On le voit là, on voit clairement quoi. Clairement les gens peuvent revenir au score et tout, donc c'est largement plus intéressant un BO5 qu'un BO3 finalement. Ouais c'est ça, c'est ça. Allez Blink, pour le moment qui conserve la balle. Dekusama. Ouh le poteau, c'est dommage, c'est pas passé loin pour des coups. Allez on est avec Hiro, pardon. On va l'appeler comme ça, attention à Blink. Namrix, Dekusama. Allez, on part côté aile droite pour le moment. Dekusama, Hiro, Link.
Sabine qui a l'air de se diriger vers les cages de l'excessif. Dekusama, Nolrix, toujours on est côté défense à côté côté excessif pour le moment. Ah, Dekusama, et voilà, qui peut faire un beau petit dribble ici. Il se présente devant les cages de la Fearless. Oh, le petit lob! Oh, le petit lob de Dekusama! Bien joué, Dekusama! Ça, c'est beau! Oh, c'était bien joué! 2-1-1 sur cette première partie du match amical Fearless Clan versus Excessive Esport. Du coup, Dreamy, s'il te plaît, ne me quitte pas, reste dans mon groupe, te sauve pas. C'est cool. C'est cool, comme ça tu m'inviteras après les capitaines. Ah, parfait, poteau, parfait, parfait, parfait. T'oublieras pas du coup de garder bien la PP. Ouh, attention à Hiru. Hiru qui marquera le troisième but de la Fearless Clan. Y a pas le noobie de la Excessif, c'est pas drôle. Oh, toi, je sens que tu parles de Jean-Michel Excessif, Pegasus. Alors, on lui lance un petit pic, on l'adore, le Jean-Michel Excessif. Il est, c'est un bon petit gars, les gars. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner ou à suivre la chaîne Dans tes dents. Et Blink vient à marquer le quatrième but ici pour la Fearless Clan. Donc voilà, il faut que je te disais, Dreamy, il faut que tu gardes absolument le lead de tout à l'heure. Je suis là. Désolé, hop. Mais je fais tomber ma manette. Du coup, je disais donc. Oh, Dekusama qui viendra faire un deuxième lob ici. Pom, magnifique. De la part de Dekusama, deuxième but de ce joueur de la team Excessive Esport. Je disais donc, Dream, et tu m'entends ou pas? Ok, parfait. Je disais donc, n'oublie pas qu'après la deuxième map, on fait un changement de côté. Ok, parfait. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu gardes les rôles de la PP pour pouvoir changer les noms de team quand tu changeras de côté. Allez, pour le moment, on a la vue sur Hiro qui récupère la balle. Ah, il parlait de Nuken, d'accord, ok. Le pauvre Nuken, d'accord. Bon, bah c'était pas Jean-Michel Excessif le nouveau. Ça va lui faire plaisir, mais Nuken, à mon avis, il va être dégoûté. Allez, on reprend le match. Du coup, on a Dekusama ici qui part à l'attaque. Blink, ouh, ça c'est bien joué. Non, pardon, il était venu défendre. J'ai dit des bêtises. Dekusama qui était revenu en défense avec Nalrix. Allez, Dekusama qui défend. Voilà, il récupère la balle. Peut-être un petit lob énorme. Blink, il l'a vu venir. Blink qui rentrera directement sur Nalrix. Dekusama. Allez, Nolrix. Et Nolrix qui partira en lob. Oh là 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 là. Très très bien joué de la part de la Excessive Esport ici, Nolrix. Qui viendra directement lober Hiro. Avec un petit décalage sur le côté gauche pour que ça rentre. C'est le premier du coup à deux matchs gagnés. Si possible. Pour qu'on puisse nous enchaîner derrière avec Overwatch. Ça serait super cool. Même si on n'aura pas de retard. Il a pas pris sa retraite RL, Jean-Mi. Je sais pas. Normalement, il me semble que non. Il va continuer à jouer un petit peu de temps en temps. Mais c'est vrai qu'il aimerait bien plus se concentrer sur le streamcast de RL. Oh, Dekusama ici, malheureusement, ça a été contré par Blink. Nalrix peut-être un centre pour Dekusama. Mais non, Dekusama était malheureusement trop en retrait. Attention, Hiro qui va contre-attaquer. Et voilà, c'est renvoyé par Nalrix. Attention à Blink. Il ne reste plus qu'une minute. Et Dekusama qui viendra directement éjecter Blink pendant quelques secondes. Et Hiro qui viendra venger. En aérienne ici, c'est Nalrix qui défendra cette balle. Dekusama, attention, la team Fearless hein, qui conserve
du coup le côté terrain de la XCCV Sport. Allez, du coup ça m'a. Ah, le petit lob, Big, il le savait, il l'avait prédit. Il était dessus, attention Hiro. C'est décalé côté droit. Du coup ça m'a qui part à la contre-attaque ici peut-être. Oh, ça a tenté le dribble. Oh, que c'est bien joué de la part de la XCCV Sport, le duo Nalrix Dekusama qui viennent marquer leur quatrième but ici face à la team Fearless Clan. Regardez-moi ce petit duo. Le pauvre Blink qui ne savait plus où aller. C'est très très bien joué. Oh, le pic. Pegasus. Qui sait ce que je pense. Allez, on passe à la vue de Dekusama ici en vue aérienne. Oh, peut-être la passe là, le petit centre pour Nalrix. Et on part en prolongation. Alors du coup, je le rappelle bien, hein, c'est le premier à 2 points sur ce match amical qui remporte la victoire. Allez, pour l'instant on est en prolongation justement, 4 à 4. Et Hiro qui viendra marquer le cinquième point du coup. 1 à 0 pour le moment sur ce match. Fearless Clan versus XCCV Sport. Je rappelle hein, quand même qu'il y a un sacré écart de côte entre la Fearless Clan et la XCCV Sport. Et du coup la XCCV, voilà, hein, c'est normal. Ils font un excellent beau jeu hein, contre la Fearless Clan, il n'y a pas photo. Voilà, donc c'est normal qu'il y ait un petit écart comme ça, mais chapeau à la XCCV qui a bien voulu jouer contre la Fearless Clan. Et on va partir directement sur cette deuxième partie du match. Actuellement 1 à 0 pour la Fearless Clan. Allez, c'est parti, on engage. Ok, c'est bon. Alors, on a la vue sur Hiro. Ce qui vient défendre. Blink. Et Blink qui rentrera directement sur Dekusama. Ah, Dekusama qui a eu le temps de revenir. Il vient à défendre cette balle. Hiro. Attention, centre. Et voilà, malheureusement, ça a été mal renvoyé par Dekusama. Ça fait un, ça a donné un centre à Blink du coup. Non, c'est Hiro directement. C'est Hiro, pardon, j'ai rien dit. Dekusama n'a pas fait d'erreur. C'est bien Hiro qui viendra centrer pour Blink. Eh ouais, nous sommes en plein scrim ici. Voilà, comme ça je fais plaisir à Pegasus. On est en scrim ici. Du coup, Fearless Clan versus XCCV Sport. Mais voilà, je dirais plus le mot scrim car je rencontre des difficultés dans le langage e-sport. Parmi vos, la totalité des jeux, vous avez tous des noms différents. Par exemple, pour les matchs amicaux, il y en a certains qui vont dire des TS, d'autres des scrim, d'autres je ne sais quoi, d'autres des matchs amicaux. Donc voilà, je resterai sur le premier nom attribué qui est match amical. Allez, c'est parti Hiro. Pour le moment, conservation de balle peut-être là, attention. Blink qui part à la contre-attaque, Dekusama qui était là pour défendre. Allez, donc Sama quant à lui part à la contre-attaque, il vient dribbler directement, il marquera le but de Oh là là, magnifique. Magnifique contre-attaque de la part de Dekusama ici. Ah, hop, il a dribblé Blink, allez hop, un petit boost et un petit lob sur Hiro. Et ça rentre. Ah oui, j'ai oublié le prac. Ouais, j'ai oublié le prac aussi. Ouais. Pas bon. À force d'exploiter plusieurs noms anglais, les gars, vous allez vous y perdre. Vous n'arriverez même plus à parler français. Vous allez tous parler anglais. Et puis, on, voilà. La France deviendra une France anglaise dans peu de temps avec vos conneries. Bref. Allez. On se fait bouffer par les anglais, les amis. Je plaisante, bien sûr. On les adore, les anglais. J'ai aucun problème avec n'importe quelle origine, de toute façon, quelle nationalité. J'ai aucun problème avec tout le monde. Allez, du coup, on repart sur la vue de Hiro. Blink. Allez, Blink qui conserve la balle pour le moment. Nalrix. Nalrix qui vient le doubler avec un petit lob. Peut-être un. Et le but de Nalrix sur le poteau gauche de la cage de la Fearless Clan.
grâce à ce petit love tranquille, ça rentre peinard. Allez, 2-1 pour le moment pour la team Excessive Esport. En fait, on va venir au score. Hein. Il reste moins de 3 minutes de temps de jeu. Sur cette deuxième partie, allez, on a la vue sur Nalrix. Peut-être revenir au score aussi du côté de Nalrix. Allez, il a repoussé malheureusement des coups sa main, l'entrechoc. Ça va lui donner un petit peu plus de jeu pour la team. Tiens, laisse comment ça a été contré, pardon. Allez, Blink. Oh, ça c'est bien joué. Belle défense dans la porte de Hiro. S'il n'était pas intervenu, Dekusama aurait fait certainement un joli lob. Allez, on a la vue sur Nalrix. Hiro. Blink. Dekusama. Contre Hiro, c'est Hiro qui gagnera. Attention, Nalrix qui l'a récupéré. Blink qui l'a récupéré aussi à son tour. Repoussé par Nalrix. Dekusama qui la récupère. Hiro la récupère aussi à son tour. Allez, Dekusama qui la renvoie à côté. Fearless. Dekusama versus Blink. Attention, Nalrix qui est venu en renfort. Hiro qui repart. Blink qui la repousse côté excessif. Ah, Nalrix qui n'a pas réussi à récupérer cette balle. Mais c'est récupéré par Dekusama qui était là. Qui est venu en retrait. Oh, le petit lob. Dekusama qui vient prendre le pic à l'instant sur Hiro. Et Nalrix, ça c'est bien joué, belle remontada de la part de la XCCP Sport contre la Fearless Clan. C'est pas mal les 10-12 viewers constants. Oui, effectivement, c'est pas mal. Mais n'hésitez pas à ramener plus de monde les amis. Hein. Plus on monte dans les statistiques au niveau des spectateurs, mieux c'est pour nous tous. Je précise, bien évidemment, que la chaîne n'a pas été créée. Voilà, que pour moi, mais bien pour nous tous les amis. Pour qu'on ait du plaisir à regarder des matchs sur différents jeux. Allez, on part sur Dekusama. Oh, attention. Oh, belle récupération de la part de Nalrix. Hiro qui va tenter de renvoyer dans les cages. Ça a été contré par Dekusama. Dekusama qui reste dans les cages. Il a bien raison. Allez, Nalrix peut-être va partir solo. Oh non, il partira pas solo finalement. Il a passé, il a fait une jolie passe à Dekusama. Nalrix qui retourne vers la défense. Hiro, peut-être un petit centre. Blink, ça rentre 3-2 du côté de la team Fearless Clan. Excessif face à la team Fearless Clan. Allez, plus que 40 secondes hein, du coup sur cette deuxième partie. Pour le moment, la Excessif Esport mène 3-2. Mais la team Fearless Clan peut revenir au score. Allez, Dekusama qui conserve la balle pour le moment. On part vers le côté adverse. Et c'est contré, Hiro qui repart à la contre-attaque avec accompagné de Blink. Oh là 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 là, magnifique. Obligé à avoir une team. Alors, c'est toujours mieux hein, d'avoir une team, forcément, bébère. Mais comment dirais-je, tu peux te trouver des joueurs, on a un Discord du coup créé pour et tu peux éventuellement te construire une équipe, on a ce qu'il faut. Oh là 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 là, Hiro qui revient au score 4-3 les amis sur cette deuxième partie, peut-être la manche décisive hein, du coup du côté de la team Fearless Clan. Ah, Pigasus, si tu peux envoyer le lien Discord dans le chat de jeu, ça m'arrangerait. Sinon, je le fais tout de suite après la partie. Pour mon 4-3, ça risque d'être... Ouais, ça va être tendu pour la team Excessive Esport de revenir au score. Ah, peut-être pas. Attention, ça se joue encore. Ça se joue. Et ça s'arrête. GG à la Fearless Clan, les amis. 2-0 pour ce match. Ouais, le Discord de la Game Forward, si tu peux l'inviter dedans. Ou sinon, je le fais de suite.
Et du coup, comme je vous ai expliqué juste avant, les amis, il va falloir que je coupe ce live pour passer à la partie over. Alors, hop. Je t'envoie l'invitation. Copier le lien. Non. Pardon. Ok, invitation copiée. Voilà, du coup, je t'invite à rejoindre Bébert, ce serveur Discord. Voilà, parfait, on t'a envoyé les liens. Trollant Magic. Eh ben oui, mais je suis partout, mon ami, je peux pas être partout. Allez, du coup, les amis, je vous envoie